Ça ressemble à ceci. Attends tout le monde, regardez, on a amené le château de Fudge. C'est un emplacement temporaire, là, parce qu'il faut tout qu'on le répare de toute façon, parce que monsieur, il est un peu destructeur. Mais il peut regarder par la fenêtre, puis il est tout content. Tu vas pouvoir regarder les écureuils, puis les ratons, puis les oiseaux, hein? Moi, ouais, puis t'as du bel air frais sur ton pelage en attendant que toute la foutue neige fonde. Fait que aujourd'hui, c'est une journée d'organisation pour Catherine, mais moi j'ai une belle présentation à finir. Et on va aussi enlever la table qui est là, on va la descendre. Oh! Regardez! Ah, c'est vrai! On peut monter le livre maintenant! Finalement, on faisait vraiment ça, on va cacher immédiatement quand il se passait quelque chose. On vous cache le secret. Là, on n'a plus de secret. Puis on va vous en parler après. Parce que justement, demain, le tableau blanc s'en vient. Ouais. Donc, on va filmer cette vidéo-là. Donc, oui, Catherine, aujourd'hui, on va faire de l'organisation. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. À part dans certaines occasions où c'est trop dangereux pour les enfants. Vous savez, quand c'est écrit, là, demander l'aide d'un parent ou d'un adulte, c'est genre là que j'interviens. Exactement. Ouais. Donc, c'est une petite journée productive. Et Catherine va s'occuper de beaucoup de choses de maison. Je crois en toi. Donc, si vous n'étiez pas déjà au courant, Jay vous a spoilé, mais j'ai enfin annoncé que j'ai écrit un livre, je vous en parlerai pas plus. Il sort le 5 avril, vraiment tous les détails sont dans les deux vidéos sur Girly Addict, je vais pas vous énerver plus avec ça, mais je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler parce que, comme on a dit, ça faisait 2 heures qu'on vous cachait ça, puis on a eu plein de commentaires de gens qui étaient comme « Mais vous vloguez plusieurs fois par semaine, comment vous avez fait pour pas le montrer? » On travaille très fort. Ouais, on a travaillé très fort pour pas vous le montrer. Pis pas que ça paraisse, mais j'ai reçu un commentaire vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est drôle parce que quand Jay vloguait dans les vlogs, puis qu'on t'entendait vloguer dans les vlogs, ouais, puis qu'on t'entendait taper derrière, je trouvais que tu tapais beaucoup sur ton clavier pour une fille qui faisait du montage. C'était pas du montage, c'est pour ça. Fait que c'est ça, je suis bien excitée, il va y avoir plein d'annonces bientôt de signatures puis tout ça. Je peux déjà vous le dire que je vais être au Salon du Livre de Québec le 13 et 14 avril. Je vais vous donner les dates bientôt, là, ça va être sûrement sur Instagram puis sur cette chaîne-ci. Mais je suis bien excitée, j'avais trop hâte de vous en parler. Puis là, mais ça va juste être beaucoup plus simple pour la suite des choses parce que c'est vraiment chiant les projets secrets, autant pour vous que pour nous. Puis je sais qu'il y en avait plein qui avaient comme... c'est deviner que j'écrivais un livre, mais la majorité des gens m'ont dit être surpris que c'est un roman, fait que j'étais pas contente. Donc sur ce, moi aujourd'hui c'est ça, on revient au vlog d'organisation, on était quand même occupés ce week-end avec les annonces puis tout ça, puis c'est ça, donc là moi en fait ce matin je vais sortir parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie, faut que j'aille à l'animalerie pour acheter la nourriture puis la litière de Fudge et faut que je passe à la banque. Donc je pense que je vais faire ça parce que là il est déjà midi, donc ça ce serait fait. Puis après ça, faut qu'on range le studio. Parce qu'il faut enfin commencer à installer le studio, il serait temps. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais théoriquement la vidéo de cette semaine doit être filmée dans le studio. Ben pas elle doit là, mais c'est juste ça va être plus simple. Fait que je pense que je vais aller au moins commencer à tout tasser les trucs, puis garder les caméras de proche et tout ça. Donc je pense que c'est pas mal ça le plan pour aujourd'hui. Ouais. Il y en a ça qui avant c'est cool, PowerPoint, maintenant il y a des animations en 3D. Je sais pas ça fait combien d'années que j'ai pu utiliser PowerPoint en fait. Ah. En tout cas, peut-être que tout le monde le savait parce que peut-être que vous en utilisez quand vous allez à l'école ou au travail, je sais pas, mais moi j'utilise pas PowerPoint. J'utilise beaucoup PowerPoint, mais je savais pas que les animations étaient rendues en 3D cool là même. Peut-être c'est récent, je sais pas. Sûrement, j'ai la dernière version en fait. Eh ben. Donc Jay, t'es en train de faire une présentation pour quoi exactement? Sécurité informatique, j'en avais pas déjà joué dans un vlog? Non, on n'a pas vlogué finalement. Ah. On a filmé un clip, puis après on n'a rien filmé de la journée. Ouais. Fait que voilà. Donc oui, je fais une magnifique présentation sur la sécurité informatique parce que vous utilisez tous des ordinateurs, vous utilisez toutes des tablettes, vous utilisez tout l'internet et aucun d'entre vous sait comment utiliser ça de façon sécuritaire. Donc, en général. En général. Donc, écoute, même toi qui est quand même moins informé, t'en apprends encore. Non, ouais. Donc, mon objectif est de vous donner mon expérience en piratage et en sécurité et de faire une présentation qui est animée, qui est le fun et de pouvoir vous présenter justement comme des trucs, des conseils et tout ce qu'il faut pour justement comme être en sécurité en utilisant la technologie en général. Et où donnes-tu cette première présentation? Donc, la présentation sera donnée au Musée de la Civilisation à Québec. C'est le 6 avril et moi, la présentation est à 10h30. C'est gratuit, donc vous pourrez vous présenter juste au Musée de la Civilisation dans le hall. Je serai là, grand, ouvert et accessible. Aussi. Catherine aussi. Et vous pourrez, dans le fond, assister à ma magnifique présentation sur la sécurité informatique. Donc, je sais que ça sonne plate. Je vous promets, ça va être le fun. Vous connaissez Jay, c'est jamais plate, ces présentations. Fait que si vous êtes à Québec et ou que vous avez envie de faire de la route, ben on va être là. On a une table ronde en plus dans l'après-midi, je pense. Donc, moi aussi, je vais être là.
Puis, sinon, c'est gratuit. C'est au Musée de la Civilisation. C'est le 6 avril. Toute l'information est en ligne sur le site du Musée de la Civilisation. Ça fait partie de l'événement qui s'appelle Ma vie en numérique. Je vais le mettre en barre d'information. Et là, justement, ça, je m'en vais le tester dans quelques écoles pour pouvoir voir avant si c'est le fun ou si c'est plate, puis faire des ajustements avant cette grosse présentation. Et après cette grosse présentation, mon objectif est d'essayer de le donner dans des classes, dans les écoles. Donc, à suivre. À suivre. Donc là, je travaille dessus. Et je lui donne un petit style, justement, un peu comme néon. C'est bien cute. Je travaille dessus, je travaille dessus. Bon, ben on te laisse continuer de travailler. Sérieux, là, ce chat est beaucoup trop gâté. Ça chame trop son père. Non, mais non, mais c'est parce que tu peux pas, là. Genre... Allô, Fudge? Je pense qu'il est pas intéressé. Non, il est vraiment pas intéressé par moi. Franchement. Puis là, le problème, là, c'est que c'est pas la première fois qu'il est sur les genoux de Jay comme ça. Puis il peut rester, là... 20 minutes, 30 minutes, 1 heure à se faire flatter. Il ronronne-tu? Oh, beau garçon! J'ai jamais vu ça, un chat comme ça. Il préfère tellement son père. Je sais. Peut-être que si on y adopte un petit frère, le petit frère va me préférer moi. Non, les deux vont préférer papa. Je le sais pas. Yeah, tu peux le savoir. Il veut des bisous. Il veut pas de bisous, s'il vous plaît. Bon, ben le sous-sol, ça a l'air de ça. Fait que c'est quand même pas si pire, honnêtement. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses qui traînent, mais c'est vraiment comme la majorité des trucs de caméra. Tu sais, voyez les poteaux, les trépieds, puis tout ça. Donc, en fait, on va installer un décor ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tasser toutes les choses là pour pouvoir installer le décor. Puis la table qu'on a en haut dans le bureau, on va la descendre ici un petit peu plus tard. Puis sinon, ben pour le reste, je vais juste le tasser comme ça pour le moment parce que là, on a encore cette porte-là ici. Faut qu'on mette l'autre trappe pour Fudge. Mais on attend encore un peu parce qu'il est pas trop convaincu encore d'aimer sa trappe. Fait qu'on attend encore un peu. Tu sais, ça ne dérange pas d'avoir l'autre porte en attendant. Mais en attendant qu'on descende sa litière en bas, tu sais, on va laisser ça comme ça. Là, c'est pas vraiment grave. Fait que c'est ça, je vais installer la GoPro, puis au moins, tu sais, je vais tout tasser ça ici, comme ça on va avoir assez d'espace pour installer le décor, puis peut-être qu'on va installer les poteaux qu'il y a là, si vous vous rappelez, c'était là que nos spotlights étaient. Donc sortir les spotlights, les amener plus proches, donc tu sais, juste essayer là, de ranger ça légèrement là, pour juste qu'on puisse filmer cette semaine. Off already, didn't really got to know me. I bet I, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? Yeah, I'm a hunter, and I told my friends I want her. I posted up and started up. On allait commencer à vlogger pour vous montrer mon avancement, puis là j'ai juste entendu Monsieur Fudge descendre. Salut coquin! Qu'est-ce que tu fais, monsieur beau garçon? Là, moi, je sais pas si on le voit, là, si ça a recommencé à couler, mais je vous avais déjà parlé dans un vlog que Fudge, on le voit un peu, son œil, il coule. Il y a comme juste un œil qui coule, puis tu sais, ça y arrive souvent, là. Fait que là, je viens d'appeler le vétérinaire, puis j'y retourne avec lui demain. C'est probablement encore la même chose que la dernière fois, tu sais. On m'a dit que c'est peut-être parce qu'il y a un œil plus sensible, puis tout ça, mais ils peuvent pas juste me represcrire des gouttes, ce qui est bien normal, là. Fait qu'il va falloir que je retourne avec lui demain matin pour voir, tu sais, est-ce que c'est encore la même chose, puis il est plus sensible, ou c'est peut-être quelque chose de plus grave. Mais en même temps, on va y faire ses rappels de vaccin aussi, fait qu'on va tout faire en même temps, puis c'est ça, tu sais. Ça a pas l'air d'y faire mal, mais mon cœur de maman chat est pas capable de délai de voir Fudge avec son œil qui coule. Il y en a plein qui m'ont dit que ça allait passer, mais je sais pas. J'aime mieux aller chez le vétérinaire là, comme ça. T'sais, si jamais il y a rien, tant mieux. Mais s'il y a quelque chose, ben au moins on va l'avoir vérifié. Donc, comme vous avez vu, j'ai tout rangé ici. Bon, c'est tout éparpillé ici et là, mais ça va être rangé plus tard, là, c'est pas tellement grave. Fait que là, j'ai amené tous les trucs, là, notre caméra, j'ai tout sorti nos spotlights, comme ça on va pouvoir les installer. Les trucs pour le micro, c'est tout ici. Fait qu'il va nous rester à descendre la table. Hein, Monsieur Fudge? Il va nous rester à descendre la table. Puis, c'est ça, on va essayer de voir si on peut faire un petit décor. Bon, ben il est pratiquement rendu 7h. Jay il est pas là, il avait un meeting avec son ami Simon. Ils sont partis manger ensemble. Puis moi, ben j'ai rien à manger à la maison. Donc je vais sortir. Je pense que je vais aller à l'épicerie me chercher un petit truc à manger. Là, ça me tente vraiment pas d'aller au resto. Fait que j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de manger, honnêtement. Je commence à avoir faim. Fait que je vais faire la chose la plus dangereuse à faire quand on a faim, c'est-à-dire aller à l'épicerie parce que je vais revenir avec 1,5 million de choses qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bon, de retour à la maison. Puis je suis vraiment pas fière de moi parce que j'ai vraiment pas acheté des bonnes choses à manger ce soir.
je vais manger des chicken nuggets dinosaures, des frites surgelées. Je suis une adulte, messieurs, dames. C'est vraiment gênant. Mais bon, j'avais vraiment le goût de manger ça. Ça me tentait pas de me faire à cuisiner ce soir. On a de la bonne bouffe cette semaine. Là, on a reçu notre good food. T'sais, on a des cuisses de poulet et pommes de terre à la péruvienne. Que, t'sais, il y a des légumes dedans. Puis on a nouilles dandan au bœuf de style Shanghai avec une petite salade comme ça. Fait que, hein, c'est mieux que ce que je vais manger là. Mais bon, vous avez entièrement le droit de juger ma piètre alimentation. Je m'assume à 100%. J'avais vraiment envie de manger ça ce soir. J'avais comme zéro envie de cuisiner. Puis j'avais pas envie de manger quelque chose de santé aussi. Eh, c'est des choses qui arrivent. Donc je vais faire cuire ça. Puis je vais peut-être m'installer devant la télé pour écouter une série. Je sais pas encore, peut-être. Ah, donc j'ai fini de manger et là, ben il faut que je continue toute la partie organisation. J'ai pas mal de trucs que je veux faire ce soir. Je sais pas qu'est-ce que je vais arriver à faire, mais là je suis dans le garage en fait. Donc je vais vous montrer l'état du garage en ce moment. Donc ça ressemble à ceci. Puis là en fait, c'est le problème, c'est que c'est chiant parce que tu sais, ça va vraiment jusque là, tout est vraiment tout croche. Puis là, j'ai cassé une ampoule cette semaine. Fait que là, je veux nettoyer ça parce que dans le fond, ça a cassé tout dans les sacs ici. Fait que je pense que je vais mettre des gants, puis je vais faire super attention, puis je vais vraiment ramasser. Tu sais, j'ai enlevé les gros morceaux de verre là, tu sais, j'ai pas laissé ça là quand même, mais je veux juste vraiment ramasser tous les petits morceaux puis tout ça, mais comme oh my god, pour vrai, je suis vraiment découragée. Parce que là, en fait, le problème, là, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans le garage? C'est vraiment toutes les choses qu'il faut trier pas mal une par une. Donc là, en fait, au départ, on avait vraiment tous nos gros meubles ici. On a vendu nos casiers. Il y a trois autres trucs qu'on veut vendre. Dans le fond, il y a la table à outils ici qu'on avait dans notre premier appart, qu'on n'a jamais utilisé à notre ancien appart. On a le coffre à outils qui est là aussi, il est quand même grand. Puis on a les deux petits bancs du IKEA ici. Mais tu sais, si je veux les vendre, faut ramasser tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais dans la vie, j'ai vraiment de la difficulté à me départir de mes choses. Puis c'est con parce qu'il y a plein de trucs que je sais que je veux pas garder, mais en même temps, je me dis, ah, mais peut-être que je vais en avoir besoin pour une vidéo, peut-être que je vais en avoir besoin pour quelque chose, puis je veux juste pas, tu sais, le donner ou je veux pas le jeter parce qu'il est encore bon, mais il y a peut-être pas des centres d'entraide qui prennent, puis là, ben, tu sais, je peux pas commencer à gérer. Si des gens m'envoient des messages comme, oh, peux-tu me donner ci, peux-tu me donner ça, parce que le shipping, ça coûte super cher. Fait que pour vrai, je me ramasse avec 1 million de trucs pas rapport dans mon garage que je sais absolument pas qu'est-ce que je vais faire avec ça parce que je m'en servirai jamais, mais je veux pas les ranger dans une boîte dans le fond d'un garde-robe parce que c'est justement ça qu'on essaie de faire en ce moment, c'est pas ranger nos choses tout croche. Vraiment, quand on installe quelque chose, on l'installe pour qu'il ait sa place puis qu'on arrête de chercher nos trucs partout. Puis honnêtement, à date, ça se passe vraiment bien dans la maison, tu sais, vraiment comme ce qu'il y a en haut, tu sais, autre que dans le bureau peut-être, là, mais le bureau, il est encore work in progress, mais tu sais, comme la pièce commune, notre chambre puis tout ça, tu sais, chaque chose a sa place. Puis c'est vraiment pas tant difficile de garder ça propre, tu sais, la pièce commune, pour vrai, là, j'en reviens pas à quel point c'est clean comparé à d'habitude. C'est vraiment le fun, fait que tu sais, je veux essayer de faire ça pour toute la maison au complet, mais j'arrive pas à me débarrasser de mes choses. Fait que si jamais vous avez des trucs ou je sais pas, comme si vous avez le même problème que moi puis vous êtes capable de vous défaire de cette mauvaise habitude, ben vous me le direz dans les commentaires parce que tu sais, je sais que c'est probablement plus psychologique qu'autre chose, mais on dirait j'y arrive juste pas, j'ai tout le temps peur de trouver une utilité à quelque chose. C'est comme des vêtements, tu sais, t'as comme 1000 vêtements dans ton garde-robe, mais tu dis, ah, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas porté, mais peut-être que je vais vouloir le remettre ou il m'a coûté cher, fait que ça me tente pas de le donner tout de suite au cas où, mais finalement, tu sais, quand tu t'en sers pas, tu t'en sers pas. C'était vraiment ça notre but cette année, c'était arrêter d'accumuler des choses inutiles, mais tu sais, comme ça fait quoi, 4 ans qu'on habite ensemble, Jay et moi, puis on a vraiment accumulé énormément. Puis ces temps-ci, on n'achète pas grand-chose, comme honnêtement, depuis la dernière fois que j'ai acheté mes vêtements, c'était juste avant de partir à Disney, puis parce que j'avais vraiment besoin de m'acheter des jeans comme j'en avais pu. Mais j'ai pas racheté de vêtements depuis, puis tu sais, comme on n'achète vraiment pas grand-chose honnêtement en ce moment, c'est juste des choses d'utiles. Pis c'est le fun parce que je me rends compte à quel point j'achetais vraiment trop avant, tu sais, comme les bougies du Bath & Body Works pis des choses comme ça, c'est le fun à avoir, mais c'est juste un moment donné, trop c'est trop. Mais là, je sais pas, comme, là c'est vraiment de s'occuper de qu'est-ce qu'on a ici. On a vraiment fait un effort dans le truc de moins rentrer de choses inutiles dans la maison, mais là c'est vraiment de tout sortir. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la.
qu'on va arrêter ça ici parce que pour tout vous dire, en ce moment, je travaille pas beaucoup. Peut-être que ça avait l'air beau sur le timelapse, mais c'était plus comme ouvrir des boîtes, regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et s'il y a des choses utiles, les prendre. Puis ça me crée de l'angoisse plus qu'autre chose. Fait que je pense qu'on va... On va oublier ça pour ce soir, mais sur une note positive, j'ai trouvé tous mes papiers pour ma comptable, fait que ça c'est très très bien. Puis la ceinture de Jay aussi que j'ai mis où? J'ai déjà rentré sa ceinture, mais bref, j'ai retrouvé la ceinture de Jay, fait que ça c'est un gros plus. J'ai trouvé ma ceinture à moi aussi par la même occasion. Puis les écouteurs de Simon, parce qu'ils avaient oublié chez nous avant qu'on déménage. Puis quand il est venu la semaine dernière et il cherchait ses écouteurs, puis j'ai dit « Bonne chance, les trouver dans le garage! » Mais je voulais les trouver rapidement et je les ai trouvés. Fait que côté ménage, côté organisation, ça a pas tant avancé, mais j'ai trouvé ce que je cherchais, fait qu'on va dire que c'est correct. Wow, quelle ironie! Techniquement, je fais la thumbnail de cette vidéo que vous êtes déjà en train d'écouter. What? Il était en train de faire ce qu'on fait pour cette vidéo, what? Ok, j'ai oublié le mot de la fin. Soyez beaux, soyez coquins, je vous aime!